C'est dans cette ville gigantesque pris d'assaut par les gratte-ciel que tout va se jouer. La solidité de leur amour précoce, bercée par des surprises et contrariétés, leur ascension professionnelle, tributaire de choix de carrière pas toujours évident à faire, le développement de leur nouvelle vie sociale, car s'entourer d'amis loyaux et sincères, c'est important. Être jeune adulte est-il réellement synonyme de joie et d'émancipation? Payer un loyer, est-ce vraiment obligé? Et le dernier téléviseur à écran plat de Samsung, pourront-ils se le payer? Tout cela, découvrons-le ensemble dans les nouvelles aventures d'Eric Lafleur et Bradley Cooper, les héros de la sitcom Les Sims 4 Phares du YouTube Gaming. Une semaine. Cela fait une semaine que les médias ont annoncé la disparition de Dimitri Volbe. Ce dernier s'est envolé, sans laisser la moindre trace derrière lui. Eric Lafleur est bien décidé à faire la lumière sur cette affaire. Aussi a-t-il décidé d'interroger les colocataires de l'intéressé. Hein? Mais qui peut bien nous faire chier à cette heure-ci? Bonsoir, y a quelqu'un par ici? Eh oh! Oh, et puis merde, hein, j'ai qu'à rentrer. Qu'est-ce qu'il fout ici, ce demeuré? Mais vous connaissez ce gars? Oh, je me casse, ça sent vraiment l'embrouille. Mais qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mesdames et messieurs, je suis un magicien! Un magicien de l'île Maurice. Regardez ça! Waouh, mais ce sont de vrais pétales de rose! C'est excellent! Ouais, d'accord, genre, le mec, c'est trop un charlatan, quoi! Moi, je me casse d'ici, oh, ciao! Oui, c'est ça, dégage! Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous! Un tel talent, vous ne pouvez pas rester debout, voyons! Merci pour votre hospitalité! Regardez là-haut! Qu'est-ce que vous voyez? Un plafond? Bravo, bien joué, c'était bien oh, ça! Oh ouais, génial! Vous êtes vraiment un phénomène, monsieur le Mauricien! Qu'est-ce qui vous amène ici, au juste? Eh bien, pour tout vous dire, vous avez un souci, vous? Regardez comment vous vous tenez, là! Non, mais j'hallucine, quoi! Tu te prends pour qui, là, franchement? Tu débarques comme ça à l'improviste chez les gens, et puis en plus de ça, t'oses critiquer derrière le dos! Et puis c'est quoi cette tenue d'abruti, là? Ça va, madame, je ne voulais pas vous vexer, excusez-moi. Ouais, fais pas genre, arrête ton baratin et dis-nous qui t'es, d'accord? Dépêche-toi, sinon on te fait décarpir d'ici. Oui, pas de problème, me tapez pas, écoutez, je me suis déguisé en cuistot parce que je suis agent secret, il fallait que je passe bien incognito, vous comprenez? J'enquête sur Dimitri Volbe, c'est mon métier, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu mènes une enquête sur Dimitri? Mais fallait le dire plus tôt, bordel! Vas-y, Edouard, montre-lui sa chambre, stop. Alors, monsieur l'agent secret de l'île Maurice, habillé comme un cuistot. T'as trouvé quelque chose sur Dimitri? Savais-tu que les Tortuermans ne peuvent se reproduire qu'à partir de l'âge de 10-12 ans? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est incroyable, hein? T'es cinglé ou quoi? Dimitri lisait une encyclopédie au sujet de la maturité sexuelle des reptiles à carapace. C'est tout ce que je sais. Mais toi, au juste, tu n'as pas des choses à me raconter? Tu devais bien le connaître, non, Dimitri? Hein? Il devait te confier des trucs, j'en sais rien, moi. Il avait pas un comportement suspect ou un truc du genre? Hein? Bon, écoute, c'est vrai qu'il y a un gars qui cherchait des embrouilles à Dimitri. Ah bon? Il était encore plus gros et costaud que lui. Sérieux? Il avait une grosse barbe brune, des cheveux longs et puis des pecs de mammouth. C'était un bulldozer, le gars, franchement. D'accord, intéressant. Un gros gars avec un physique de tracteur, si je comprends bien. Ça pourrait vraiment m'aider dans mon enquête. Merci. Tu n'as rien d'autre à me dire, sinon? Hein? Rien d'autre à ajouter qui pourrait m'aider? La dernière fois qu'ils se sont vus, Dimitri s'est fait corriger par le gros gars. C'était pas beau à voir. Ah, ok, je vois. Il s'est pris une grosse raclée, quoi. Le truc classique. D'accord. Merci pour tout. Ah, voilà ma revue porno. Je la cherchais partout. Le dernier truc que je peux te dire, c'est que lorsqu'ils se sont battus, Dimitri s'est enfui par cette fenêtre. Je sais pas comment il a fait pour faire passer son gros cul à travers, mais il a réussi. On a dû la changer. On l'a plus jamais revue depuis. Le lendemain, Bradley Cooper s'apprête à passer des auditions de chant. La belle blonde le sait, elle ne doit pas commettre d'erreur durant ce casting. Coucou Madame Rihanna, je suis grave stressée. Oh, come on Bradley, honey, there's no reason to stress. Ne t'en fais pas, regarde les gens qu'il y a derrière moi, tous des abrutis. D'accord, si vous le dites. Mais on se serait pas déjà vu quelque part. Vous devez faire erreur, mademoiselle. Je suis simplement l'assistant de Monsieur Weinstein, juste derrière moi. Vraiment? Weinstein?
Comme Harvey Weinstein? En personne. C'est un honneur, monsieur Weinstein. J'ai beaucoup entendu parler de vous, surtout à la télé. Il paraît que vous avez... Oui, Bradley. Hello, Harvey. I hope you're doing well. C'est plutôt à ton cul qu'il faut demander, beauté. Je te rappelle que la dernière fois, je l'ai sacrément... Bradley, je te présente Johnny Depp. Sérieusement? Vous êtes Johnny Depp? Mais je suis trop fan de vous. Merci. Pirate des Caraïbes, ça paye pas aussi bien qu'avant. Puis la drogue, ça coûte cher. Alors, me voilà. Ouais, dis-moi, poupée, j'aimerais bien te voir en privé, après l'audition, si ça ne te dérange pas. Je sais pas, peut-être, pourquoi pas. D'accord, tu sais, c'est pour toi que je dis ça, pas pour moi, hein? Tu comprends? Vous savez, Bradley, mon plus grand regret dans ma carrière de comédien, eh bien, c'est d'avoir toujours joué des rôles de clown. Ok, shut your mouth now. The reason why, la raison pourquoi nous sommes ici, c'est pour l'audition de Bradley. So, Bradley, honey, let's go. Bring it on. Give it all you got. Honey, let's go, je compte sur toi. Et moi, personne veut m'écouter chanter, Nom de Dieu, elle est tellement désirable. Ah, si seulement je pouvais me la faire, là, maintenant, sur ce piano. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Elle est douée, n'est-ce pas? C'est vraiment ma protégée. Je l'aime beaucoup, cette fille. Vraiment très beaucoup. C'est sûr, Bradley a beaucoup de talent. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. J'ai fait tous les centres de désintox au monde, mais je n'ai jamais essayé la musicothérapie. Peut-être que je devrais. Pourvu que mon assistant ait laissé une boîte de capote dans le tiroir de mon bureau. Faut que j'aille vérifier vite. Tandis que les auditions de Bradley sont un succès, Eric Lafleur tente de s'évader comme il le peut. Il est fortement tracassé, alors il se dit que le réconfort apporté par le comptoir d'un bar pourrait l'aider à trouver la paix. Je voudrais un rhum Utsukushi s'il vous plaît, bien corsé. J'en ai vraiment besoin. Je vous raconte pas la galère en ce moment. J'ai pas une vie facile. Vous êtes pas obligé de me répondre. Ça fait rien. Faites, versez, voilà. Wow, génial. Très élaboré. Ouh. Ah oui, ça en jette. Au fait, savez-vous ce qui fait la valeur d'un rhum Utsukushi? C'est le Mauricien qui le boit. Plus il est résistant à l'alcool, plus il amortit. Vous m'avez demandé, vieillard Kakoshim. Florent, te voilà, fripouille, je pensais que tu ne viendrais pas. Ça me fait plaisir de te voir depuis le temps, et tu n'as toujours pas changé de tenue. Tu peux parler, gros malpropre. Moi, au moins, je ne suis pas habillé d'une vulgaire tenue de cuistot. Mais qu'est-ce que tu fais à Willow Creek, au juste? Je t'expliquerai ça après. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, on a d'autres choses plus sympas à se raconter. Alors qu'est-ce que tu deviens, toi, hein? Dis-moi tout. Moi je suis complètement défoncé, tu t'en doutes bien. Je suis complètement pété. Alors, vous trouvez que ça s'est bien passé? Vous pensez que j'ai mes chances? Oui, vous avez très bien joué du piano et vous avez très bien chanté. Super, génial. J'espère que ça va le faire, merci beaucoup. Dites, ça ne vous dérangerait pas de me raccompagner chez moi? Il n'y a plus de transport à cette heure-ci de la journée. Et étant donné que mon copain n'est pas là, je ne peux pas rentrer toute seule. Y'a pas de problème. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, il était comment ce joint? Tu l'as apprécié? Oui, il est pas mal, comme tous les autres. C'est fascinant le feu, tu ne trouves pas? Ça brûle tellement. Je me demande qui est le plus défoncé de nous deux. Alors tu me parlais d'une boîte? D'un boîtier que t'aurais remis un autre Mauricien, c'est ça? Vas-y. Continue. Oui, c'est vrai, j'ai tout essayé. J'ai essayé de l'ouvrir avec la force de mes bras, avec mes outils, mais j'y arrive pas. Faut que tu m'aides, Florent, faut que tu m'aides à ouvrir cette boîte, ça commence à me ruiner la vie. Tu t'en vas comme ça? Où tu vas? Ciao. J'y crois pas, il est parti. Il est toujours défoncé, celui-là. Je suis vraiment dans la merde. Bien, ça y est, on est arrivé. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, je vous suis reconnaissante. Je vous dois une fière chandelle. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Bradley.
Je n'hésiterai pas à vous contacter pour vous donner vos résultats. Vraiment? Vous pouvez faire ça? C'est vrai? Vous pouvez le faire? Mais c'est génial! N'hésitez pas à m'appeler alors. Ce sera fait, vous pouvez compter sur moi, disons, en début de semaine prochaine, si vous êtes d'accord, bien sûr. Les amis, même si ce fut difficile, vraiment difficile pour moi de me remettre dans les Sims 4 Eric Lafleur, tant ce genre de projet vidéo est exigeant et délicat à gérer, sachez que ce fut un vrai plaisir pour moi de vous préparer ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Smashez le bouton like et laissez un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Ciao.